Donc, on a aimé dire ceci, hein? Propre parce que nous sommes fils du même Père qui aime la vie de tous et il s'est donné pour que tous ses enfants aient la vie en abondance en son Fils Jésus-Christ. Il n'aime que personne reste seul et aux marges de la vie. Vous ne pouvez pas abandonner les enfants de la rue. Il a pris la chaîne. Vous le connaissez. Oui. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est tout tabassé. Il est déjà ivre. Il est blessé, tabassé, mais il est ivre. Il a pris la chaîne. Nous le connaissons. Vous le connaissez? Oui. On laisse ici. On peut le prendre, non? Zamoula, on peut l'amener au foyer, non? Hein? Maintenant, il est à votre ambulance. Oh, tiens, là, on te pose un bambou. Ah, c'est une famille, passez la nuit au moins. Passez la nuit. Mais d'abord, la première chose, je pense, fondamentale quand on s'approche d'un enfant, c'est de lui montrer tout l'intérêt pour lui, hein? Et de se mettre à son écoute. Ce n'est pas moi d'abord à lui dire qu'est-ce qu'il pourrait faire, mais lui, qu'est-ce qu'il cherche. Donc, je pense que la première chose, c'est qu'est-ce que tu cherches enfin? Un enfant te dira, moi, je cherche de m'en sortir de la rue. Thank you.
Quand on sait qu'il y a au moins 25 000 enfants et jeunes de la rue, en totale rupture avec la famille et la société, bon, la société on peut dire aussi, dans les rues de Kinshasa, Sema de Kinshasa, et on sait qu'il y en a à peu près pas moins de 5 000 dans chaque grand centre urbain du Congo, pas moins de 5 000. Et cette foule nombreuse, c'est une population au milieu de la population. Les jeunes impressionnent qu'ils vivent dans la pleine indifférence. On a découvert que la présence des enfants, des mineurs, ce qu'on appelle les enfants de la rue, était une grave problématique. Les familles se sentent seules dans cette œuvre très délicate de l'éducation. Ils se sentent non aidés, non supportés, non facilités dans cette lourde tâche dans le contexte actuel. Et je pense à l'accès à l'éducation pour tous, par exemple, qui n'est pas une réalité, à une bonne éducation scolaire qui devrait permettre davantage de transmettre et d'éduquer non, dans les jeunes générations des bonnes valeurs, non, des valeurs positives, chose qu'actuellement cela est insignifiant. Disons. Donc il y a une grande solitude de la part des parents, ils sont abandonnés aussi à leur responsabilité en se trouvant sur le dos tous les défis de la vie actuelle, de la prise en charge de tous les besoins. Vu l'ampleur de ce phénomène, tout de suite on s'est senti interpellé. On dit voilà, le domaine prioritaire dans lequel nous sommes appelés étant ici à intervenir. L'OCPR signifie ceci, œuvre de suivi, d'éducation et protection des enfants de la rue. C'est enfin la description du travail qu'on fait. Par jour qui nous accueille ici, au moins 130 enfants qui passent pour manger tout ça. Ici, nous leur offrons la possibilité de se laver, de manger, de jouer comme vous voyez ici. Les cas de maladie, nous les orientons à notre dispensaire, notre centre de santé qui est non loin d'ici. C'est un peu ça la vision générale du centre Sainte-Famille. Okay. Il ne veut pas rester dans la rue. Famille. À partir d'ici, nous réunissons aussi les enfants. À partir aussi, d'ici aussi, nous orientons les enfants d'une manière professionnelle. Soit en mécanique auto, en coupe-couture, en boulangerie, en menuiserie, etc. Donc ici, c'est les pépinières un peu, je peux dire, de l'OCPR. Les cas difficiles, les réunifications difficiles, nous les orientons dans nos milieux d'hébergement. C'est un peu historique. Ce sont des foyers à prise en charge totale dans lesquels les enfants suivent un parcours éducatif intégral avec aussi la prise en charge de l'école. Ils peuvent fréquenter les écoles publiques avec les autres enfants, c'est déjà une forme de réinsertion. Et vous, qu'est-ce que vous faites là-bas? Moi je fais les villages de pêcheurs.
Ce sont des enfants qui ont été abandonnés par leurs parents. C'est ainsi que nous les prenons en charge pour leur donner l'instruction afin que demain, qu'ils puissent prendre la responsabilité en main, qu'ils puissent s'occuper d'eux-mêmes de leur vie. Et ceux qui sont en train de faire ici, il y a d'autres qui, par exemple, ces tableaux que vous voyez là-bas, ceux qui l'ont fait sont déjà à la maison. Ils étudient à l'Académie des Beaux-Arts. Daniel, oui. Moi, je suis à tous mes ma carte. Quand on commande, je suis à ça, il y a un an facile, mais. Maïe, le cas, quand on a un peu, pour dessiner, pour dessiner, moi bien. Bon. Mais, je suis à l'Ova. Merci, Po. Je suis capable de faire ça, je suis à l'Ova. Biso, tu es à l'Ova, tu es à l'Ova. Ba petit maître, on a t'aimé à qui t'as pu na amour. Voilà, il vient de dire qu'il peut aussi arriver à faire les tableaux comme l'air grand, les anciens, qui aujourd'hui sont en train de vivre seuls dans une maison de location, toujours par la grâce de l'œuvre. Il peut aussi arriver à faire ça un jour. Petit à petit, ils deviendront comme ces grands-là. Je suis pris en charge dans le centre de l'OCPRE et après l'OCPR, ils ont décidé maintenant de me donner une chance de devenir un responsable dans la vie. Comment est-ce que je peux me diriger un jour? Ici, nous vivons en trois personnes. Nous sommes trois. Moi, Junior, Bernard, Zabusu et Rodrigue Lumumba. Et ici, c'est notre dortoir. C'est là où nous dormons. Mon souci est que aussi, quand je termine mon formation, il faut que je forme les enfants qui restent là-bas au centre. Sont 14 actuellement. Évidemment, il y a une autre qui vient d'être réunifiée le dimanche passé. Maintenant, l'équipe qui est ici est en train de réaliser cette activité manuelle qui est le tricotage. Ce sont des enfants vraiment motivés. C'est chaque année qu'on a pu réinsérer en famille plus de 200 enfants. Vraiment. J'en suis fière et ravie. C'est une activité qui. L'activité qu'on appelle Mamoukoumeli ici, activité qui se réalise au centre SMO par les enfants de 12 à 17 ans. Alors les enfants sont ici de 12 à 17 ans. À 11h, ils doivent aller à l'école. Donc les après-midi, c'est préparé pour aller à l'école. Nani akoki kotanga. Oui. Nzela etondi na zelo. Ah, nani mususu? Nani akotanga malamu? Oui. Évidemment, nous disposons qu'à partir de l'âge 16-17 ans, il y a l'orientation pour l'apprentissage des métiers en suivant l'orientation du garçon, les potentialités de chacun pour qu'il puisse apprendre un métier le plus approprié pour lui et se prendre en charge au moment donné. Nous avons aussi, pour cette étape, justement, d'orientation professionnelle, établi des ateliers de formation professionnelle interne à l'œuvre. On s'est pas récupéré qui n'aï. Nadal n'a pas balé récupéré n'a. Et tu n'as qu'à ta centre.
nous avons l'alphabétisation, si bah écoute ça nga centre ambolo ko sima bah écoute ça nga classe banda 6e petit 2e secondaire sima nayo pour nous sala menzeri comment on nga José. Bon, il y a un peu de Soudan, il y a 3 000 francs. Il y a un peu de temps. 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 Tu fais une bonne mine, 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 tu après maçonnerie, l'un des six qui est là, il a travaillé dans l'entreprise de générale construction. Naza autonome, nazi pas dans un mot, ma camion est tous allés dans la poser. Les bandes dans la rue, ça qui difficulté, bah désordre, bon, si quoi à prendre des responsabilités. Aza autonome, la vendi calme et pas la ramoko. Azo vanda, nazo ke moussala, bazo mbon chaque mois, do fouin na eza moussala, ou na yekoli. J'étais enfant dans de la rue. J'étais enfant de la rue. Père Bidoma m'a aidé là-bas. Pour aujourd'hui, j'ai venu un quelqu'un. Je suis travailleur maintenant au cité Guanais là. Mais maintenant, je suis venu un travailleur parmi les autres travailleurs ici. Que le contact avec la nature, les activités manuelles, agricoles sont très, très stimulantes du point de vue aussi éducatif et psychologique et très gratifiantes aussi parce que on voit vraiment un processus qui évolue et on voit le fruit de sa propre activité, c'est très visible. Maman va à la rivière. Que moi je m'occupe de l'alphabétisation, c'est-à-dire donner les connaissances, les leçons de base pour que les enfants parviennent à lire et écrire bien le français et le lingala. Aussi, à ce que les enfants sachent bien les calculs. Ok, bon. Pose la question maintenant pour trouver les compléments circonstanciels du lieu. Maman va où? Ok. Maman va où? Voilà, voyez le où? Il a l'accent grave. Ok, avec le point d'interrogation. J'ai eu un message. Le message, c'est que vous ne pouvez pas abandonner les enfants de la rue. Ce sont les enfants qui ont l'intelligence. Ils sont aussi sages. Mais dans la condition que les familles ont l'air abandonnées comme ça, il y a les autres mamans qui n'ont rien. Ils n'arrivent pas
à obtenir les enfants pour les leur mettre à la maison. Maintenant, l'enfant, quand il voit qu'il ne mange plus, qu'il n'est pas à l'école, c'est pour cela que les enfants fuient la maison. Mais ce que moi, je demande, c'est qu'ils ne l'abandonnent pas, ne les abandonnent pas, les enfants de la rue. Faites un effort, Dieu va vous bénir. Alléluia, alléluia. Nous voulons signifier à travers nos interventions qu'il y a quelqu'un à qui la vie de ses enfants est très chère. Et ce quelqu'un est Dieu, que pour nous, est Dieu le Père, non, le Père de Jésus-Christ, le Père de tout homme, de toute femme, de tout enfant, qui aime ses enfants et qui est très attentif pour leur vie, pour leur épanouissement, pour la promotion de leur vie. Il faut accepter plutôt le défi de la rencontre, de l'écoute, dans un respect mutuel. Hein? Au-delà de tout préjugé, justement. Et je crois aussi que les parents devraient apprendre davantage, sans doute, à s'assumer leurs responsabilités qui naissent de l'amour, qui naissent de l'amour à la vie qu'ils ont engendrée. Non, je suis venu répondre à l'appel que le père m'a appelé parce que mon enfant est ici. Il y avait un problème dans la famille, de la sorcellerie. On avait imaginé, parce que nous les Africains, si quelqu'un meurt, on va toujours penser ailleurs. Les pensées ailleurs. Donc toute la famille avait pensé, avait cru que c'est lui qui avait fait ce problème. Il avait fui. Donc le père l'a ramassé, il est arrivé ici. Est-ce que vous aimez très bien votre enfant? Vous aimez vraiment encore l'affection de la famille? Très bien, très Comment bien. Vous avez constaté que l'enfant garde encore l'affection de la famille? Parce que quand moi je les rends visite ici, il demande ses frères chaque fois. Et il y a aussi ses frères qui les rendent visite ici. Ils sont en bonne relation. Et de l'enfant vers vous, vous avez compris qu'il vous aime encore, toujours. Oui, oui. Très Comment bien. Vous avez constaté cela? Suivant les gestes qu'ils me disent, ils ne me cachent pas la vérité. Si je viens, ils m'accueillent, on cause bien. Il me conduit en route, il me laisse en route, il rentre comme ça. Maintenant, vous pouvez l'accueillir bien dans la famille. Très bien. Avec vous sans problème. Très bien. Et puis, s'il y a encore un mort qui arrive, est-ce qu'il sera encore. Il y aura encore un autre problème? Je ne crois pas. Il n'y a aucun enfant qui est sorcier. La sorcellerie n'est que dans la tête des gens qui les accusent. C'est possible sortir les enfants de la rue et les jeunes de la rue, promouvoir leur vie. Mais le moyen fondamental dont nous disposons tous, sans aucune exception, c'est notre personne, notre cœur, notre amour qu'il faut valoriser davantage, le mettre en jeu. Et on se rendra compte à l'intérieur de cette mise à disponibilité de ce grand patrimoine que nous avons, que les solutions vont sortir d'elles-mêmes, parce qu'on acceptera de faire davantage la route ensemble, avec ces personnes, pas donner des choses, mais marcher nous avec eux.